On est au stade des Frères Lovaux à Châlons-en-Champagne. On était là pour un match de Régional 3 de la SPTT Châlons contre AI Champagne. Allez, faut aller la chercher, ça n'a rien d'important. Allez. La situation comment est compliquée pour nous, hein, qui est dans le cœur du vignoble, qui sort de Vendôme, donc beaucoup de joueurs absents pendant 15 jours, donc manque de rythme, absence de certains joueurs, parce que qui viennent juste de finir le nettoyage et tout ça, donc on se retrouve avec 4 joueurs en moins, bon, compliqué à faire un effectif cohérent sorti de Vendôme. Après, on s'est battu avec nos armes, on sait très bien que cette année va être très compliquée, parce que l'effectif est réduit par rapport à de nombreux départs. Je suis content des troupes. Après 15 jours de non-entraînement, compliqué. Mais bon, je ne m'attendais pas à grand-chose. Après, j'ai rien à reprocher à mes gars, parce que ils sont battus, ils savent que la saison va être compliquée, on le savait depuis le début. Aujourd'hui, compliqué, une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, qui a l'habitude de ce genre de match un peu piégeux. Je pense qu'on a, sur la bonne majeure partie du match, eu le dessus sur la rencontre. Le problème, c'est qu'on a manqué d'efficacité, et même beaucoup d'efficacité, qui ne nous a pas permis de nous mettre à l'abri, et ce qui fait une victoire un peu à l'arrache quand même. Mais le principal, une phrase bateau, mais le principal, c'est les 3 points et c'est d'avancer dans le championnat, parce qu'on avait commencé par 2 défaites, donc on égalise en termes de victoire et de défaite pour le championnat, pour le reste du championnat. L'objectif du club, c'était de figurer le plus haut possible au classement. Début de saison, on se prend une belle claque à domicile sur le deuxième match face à une belle équipe de Cézanne. Donc il fallait se remotiver. La Coupe Grand Est nous a fait du bien aussi pour nous donner de la confiance et avoir un peu plus de victoires et un capital confiance un peu plus important. Mais voilà, on avance. Aujourd'hui, on a 6 points en 4 matchs. Donc c'est positif et il faut continuer à enchaîner et à rester sur cette lancée. Thank you.